rien dans ce dictionnaire. Oh. Tu recherches encore un peu, normalement, avant que je rentre. Bon. Enfin, là, si tu veux, elle vient de constater que si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. Oui, or, bien. Ça n'y est pas. Enfin, je sais pas, c'est mieux que normalement. Elle oui, mais laisse. Encore, elle revérifie. Il vaut mieux que tu enchaînes. Que, à mon avis, il vaudrait mieux que tu enchaînes tout de suite après sa remarque. Adressée au public. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Et hop, toi, tu surgis à ce moment-là. Tu vois. D'accord. Alors, tu nous... ça va nous gagner un petit peu de vivacité. Non, mais... Mais on ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger. Oh, mais n'entre donc pas toujours comme une bombe. Ah, pardon. Tu ne peux pas te déranger. Non. Eh bien, et toi? Pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui me dérange plus que toi? C'est juste, c'est juste. Nous sommes mariés, alors. Et quoi? Quoi? Mais quel rapport? Bon, quoi? 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 Mais quel rapport? Je serai seulement la femme d'un autre. Il est probable que... Et laisse-moi tranquille, hein. Je suis occupée. Va tout. Occupée? Oui, on me sait. Occupée? C'est admirable, hein. Oui, occupée. Oh, quoi? Décale-toi davantage. Là, décale-toi oui, occupé. Davantage. Oui, occupé. Tu passes devant la chaise. Tu penses à. Il faut que tu aies un temps de recul. Visible physiquement, tu vois. Donc, oui. Vas-y. Occupé. Monsieur est occupé, hein, mais c'est admirable. Oui, occupé. Oh, et quoi? T'as pas eu le sursaut? Pas, fais un petit pas en arrière. Monsieur est occupé, ah ben c'est admirable. Oh, oui, occupé. Oh, quoi? Mais tu m'amènes ton seau ici à présent. Mais quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Mais ça. Mais ça, mais c'est rien, c'est mes eaux sales. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici, ce que c'est bête, ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mon réseau dans ton cabinet de travail. Eh bien alors, mais pourquoi me les apportes-tu? Oh, mais parce que j'avais le seau en main quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse, alors pour ne pas te faire attendre. Eh bien, mais tu ne pouvais pas les laisser à la porte. Oh, et puis tu m'ennuies avec mon seau. Si tu n'es pas contente, non, c'est pas si ça te gêne tant. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à venir quand je te demandais. Des choses, probablement. Oh, calme. Ah, agressif. Ah, des choses. Voilà. Je cherchais ils hybrides dans le dictionnaire. Ils hybrides. T'es pas fou? Tu as l'intention d'y aller? Non, j'ai pas l'intention. Bah, alors qu'est-ce que ça te fait? Oh, quoi, ça veut dire? Moque-toi de lui, ironise. Alors qu'est-ce que ça te fait? Alors, qu'est-ce que ça te fait? Oh, quoi, ça intéresse un marchand, un fabricant de porcelaine, de savoir où sont les hybrides? Si tu crois que ça m'intéresse, oh, je te jure hein, que si c'était pour moi, mais c'est pour bébé. Oh, il vous a de ces questions. Les enfants s'imaginent, ma parole, que les parents savent tout. Hé, papa, où c'est les hybrides? Pardon? Oh, ben, où c'est les hybrides? Dis, papa. J'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les hybrides? Mais est-ce que je sais, moi, tu vois? Et toi, tu sais où c'est? Ben oui, j'ai vu ça quelque part sur la carte, mais... Je ne me rappelle pas où. Bah oui, bah comme ça, moi aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire ça, cet enfant, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors, j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Eh bien, allez, chut, les hybrides, c'est pas pour les enfants. Mais bien, mais ça ne te regarde pas, qui est peut-être... C'est pas gênant, faut enchaîner. Pardon? À la limite, il faut enchaîner, hein. Oui, oui, oui. Oui, mais allez, je suis... Ça ne te regarde pas, c'est pas pour les enfants. Bon, voilà.